Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim sur l'épisode 2 de Pushy and Yushi Weevil, exactement. Et aujourd'hui c'est Kim qui va jouer puisqu'on va vous montrer un peu le mode type Pushy. Le mode type Pushy, donc, alors le mode facile, donc vous voyez Yoshi a des ailes et il y a des types Pushy qui vont nous aider tout au long du niveau pour... pour tout simplement voir les pelotes, voir elles sont gâchées, etc. Vous allez les voir, c'est un mode plus facile et c'est ça aussi la nouveauté de ce petit jeu. Et voilà. C'est aussi un épisode pour vous demander si vous voulez qu'on fasse ce jeu en let's play. Voilà. Même si on l'a déjà entre guillemets fait sur Wii U, puisque c'est quand même un portage du jeu. On sait très bien qu'entre temps, il y en a beaucoup qui sont abonnés à notre chaîne et qui n'ont pas vu forcément le premier. Alors, on comprendra aussi qu'il y en a qui veulent, on comprendra qu'il y en a qui veulent pas. Donc, faut nous dire pourquoi et oui ou non. Ouais, et voilà, on voudrait partir en mode type Pushy. Donc, c'est une vidéo mode type Pushy déjà pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et vous nous direz si vous voulez que le let's play continue et si vous voulez que ce soit un mode type Pushy ou un mode normal. Et donc, du coup, qui de mieux que Kim pour faire le mode type Pushy, voilà. Le mode enfant de 3 ans. C'est ça? Voilà, c'est mon truc à moi, c'est mode type Pushy, c'est pour moi. C'est mode Kim, c'est comme voilà. Dans Tricky Tower, c'est mode Kim. Voilà, c'est mode ça. Facile. Donc périlleuse grotte poreuse, on est rendu au monde 1-3. C'est ça. Donc périlleuse grotte poreuse, oui. Et donc oui, c'est vrai qu'on a été un peu déçus de... En fait, on savait pas... Ah, d'ailleurs, voilà. On a trois petits Pushy qui nous suivent. Et si tu avances, il aboyait, c'est ça? Il aboyait, en fait. Donc là, si je retourne là où j'étais... Normalement, les petits Pushy, ils font rien. Mais du coup, ils suivent. Ils me suivent partout. Ils me suivent partout, et puis ils me disent, ils m'aident aussi pour les ennemis, en fait, ils ligotent les ennemis. Ah, c'est normal, c'est Pushy qui nous suivait. Oui, normalement, il n'y a que Pushy, mais là, il y en a trois. Donc là, on... Et peut-être pour les ennemis. Ouais. Là, il aboie, en bas. Ouais, mais attends, deux secondes. Hop. Faut déjà que je détruise tout. Ah oui, là il dit va dessus. Et j'ai pelote illimitée. Parce que mes pelotes c'est des petits Pushy. Donc en fait c'est super facile, mais c'est mignon, c'est mignon. Non, non, non. Quoi? Il t'a dit aller là-dessus. Bah attends, j'y vais là-dessus. C'est marrant, ils disent où aller en fait. Mais oui, et puis dans les tuyaux, ils se mettent dans le petit tuyau. Et ils aboient dans le petit tuyau. C'est trop mignon. Ah bon? Ouais. Ah, t'as pelote illimitée quoi. Mais j'ai pelote illimitée. En fait c'est hyper easy. Et du coup moi... J'ai commencé de mon côté pour voir combien il y avait de niveaux de Pushy en fait. Et du coup, oui, voilà. Donc en fait. C'est ça la même si, aussi. Même si on fait pas. Même si vous dites, voilà, faut pas faire ce let's play. Non, mais il faut pousser la boule en fait. Je sais. Même si vous aimez pas ce let's play, on fera les niveaux Pushy en fait. Voilà, on fera les niveaux Pushy. Et du coup, en fait, faut finir le jeu pour débloquer tous les niveaux Pushy. Ah oui! Donc là, rien n'est dit. Allez! Bon, attends, on va recommencer. Bon, il m'a montré une fois, il veut plus. Quel capricieux ces chiens. Qu'est-ce que t'as fait? Donc là, il te dit... Bah là, c'est le petit cube qui te dit d'aller comme ça. Voilà. Donc là, tu sais où faut aller. Non, mais t'es pas obligé de casser tous les trucs bleus. Si j'ai envie de casser tous les trucs bleus, je casse tous les trucs bleus. Donc là, faut aller par là, je vérifie quand même s'il y a rien. Même s'ils me le disent, je préfère quand même vérifier. T'as pas confiance au type Pushy? Non. Mais non, mais des fois, en fait, tu vas trop vite et du coup, ils suivent pas. Ah oui. Ils cassent même les trucs bleus. Ils sont trop mignons. Ils rebondissent partout. Ah oui, il est dans le... Oh, il aboie, il est dedans. Oui, t'as vu, c'est trop mignon. Mais y'a rien. Mais je vérifie quand même. Je vérifie, je veux rien louper, hein. Tu balances les petits Pushy, quoi. C'est vraiment pas gentil. Hein. Ah, parce que du coup, les pelotes de laine, c'est les petits Pushy. Oui, du coup, t'as pas besoin des pelotes de laine. Ouais, donc coup, là, en fait, ça sert à rien. Non, j'ai pas vu infini. Non, non, je peux mourir. Hein. Mais j'ai des... Ah oui, t'as pas de pelote de laine du coup. Non, donc j'ai pas de pelote de laine parce que c'est mes petits Pushy les pelotes de laine. Casse pas, hein. Non, non. Oui, oui. Faut que t'ailles en haut. Là, il dit faut que t'ailles en haut, regarde. Oui, mais deux secondes. Il dit faut que t'ailles en haut. Ah, parce que là. C'est au-dessus de ça. Non, faut que tu lances ton escalier. Vas-y. Ah oui, il te montre les trucs cachés et tout. Ouais, et tu vas voir, là, il ligote. Il ligote les. Attends, je vais en haut déjà. Oh là là là, c'est compliqué. Ah oui, tu voles toi carrément. Ça sert à quoi de voler, tu tombes pas dans le vide? Oh non! Mince. Pas grave, j'utilise des pelotes. De toute façon, j'ai plus la timidité. C'est des petits Pushy. Non, 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 je peux y aller là. Quoi? Non, mais t'as trop cassé, je pense. Mais non, mais j'avais réussi la dernière fois, même en tout, en cassant tout. Du coup, c'est reparti. Allez, là, cette fois-ci, t'as pas le droit de t'échouer. Hein. Cette fois-ci, c'est bon. Normalement. Pas sûr. Hein. En plus, il manquait un truc là-haut.
Tu pousses là. Non, non, y'a rien. Si, pousse. Y'a rien. Pousse. Mais y'a rien. Pousse. Mais y'a rien. Pousse. Tipushi, il a pas dit. Tipushi, il a pas dit que c'était. Tipushi numéro 3. Il a pas dit qu'il y avait quelque chose. Là-bas. Attends, faut que je prenne les pièces parce que ça fait les tampons. Faut qu'on ait tous les tampons. Voilà. Pelote. Pelote de laine. Attends, elle a loupé une pelote. Quoi. Ouais, en plus. Alors, du coup, on va repartir en bas. De toute façon, il n'y avait rien là. Allez, voilà. Oh non, je me suis fait manger. Ouais, bravo. Bah, petit Pouchy, normalement, il m'aide. Ah, il l'a enroulé direct en vrai. Bah oui. Il est mine pour toi. Ouais. Ah, il se met sur les petits nuages, c'est mignon. Oui, oui. Du coup, il me découvre mes petits nuages en fait. Ah, mais il se met dessus. Il n'y avait rien de toute façon ici. Hein. Je vérifie quand même. Non. Ils sont beaux mes escaliers. Hein. Bah, la grotte. Donc là, il y a un truc. Donc faut que tu. Oui, il y a quelque chose. Oh là. Ah oui. Avec le tuyau à faire. Et quand je mange. Je me souviens de ce niveau. Du coup, quand je mange les ennemis, maintenant, il n'y a plus besoin d'en faire des pelotes. C'est vrai. Ce qui est dommage, c'est que. Quitte à faire un portage, ils auraient dû garder le multijoueur. Ouais, par contre, ouais. Parce que du coup, Guillaume, il s'ennuie. Ben, un petit peu, ouais. Tu pourras jouer l'autre niveau si tu veux. Non, mais c'est pas grave. Regarde, les petits pouchis dans le tuyau rose. Ah, vu la lueur, tu vois, on fera peut-être qu'un seul niveau. C'est méchant, ce que tu dis. Mais je veux bien tout prendre. En fait, il crie quand il y a des tampons aussi. Enfin, il crie. Il aboie. Il crie. Y'a un truc! Par contre, je pense que t'as loupé une marguerite. Non. Non, sinon il m'aura aboyé dessus. Il m'aboie dessus, je te rends compte. Non, il est là. Hop! Tu vas voir, c'est la deuxième. Oui! Pas mal. Tu vois, les tipushis, ils disent tout. Ils me disent tout, les tipushis. J'ai pas visé. Mais si, j'ai pas exprès. Je croyais qu'il y avait un truc là, c'est pour ça. Voilà! Là, tu vois, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, pouf! Fleur. Ah ouais, tampon. Un tampon. Tampon! Arrête de tout enlever, il n'y a rien. Des cœurs. C'est bon. Ah là-bas, le pushy, 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 regarde. Attends, parce que... Il est voilà. Non, non, oui, mais oui, j'ai vu. Là. Ah, mais faut que j'y aille après? Non, maintenant. Maintenant, maintenant. T'es sûr? Oui. Ah, peut-être pas. Si, si, si. Si, si, c'était un truc bonus. Là, c'est de la marguerite, tu penses? Ah non, un autre. Parce que des fois, on a souvent les tampons, mais il n'y a pas de. Ouais, c'est rare dans les niveaux où il y a. On a les pelotes et pas forcément les marguerites tout de suite. Je sais pas s'il y a un truc au niveau de la fleur, là où. Si, il te manque un tipushi. Ah non, c'est bon. Oui, il y a. Mais non, c'est que j'ai en train de le lancer. Voilà. C'est bon. Et tout. Et tout, tout va bien. Sauvegarde. Tu vois? Là-dessus. Là, je serais rentré. Ah oui, celle-ci, c'est la fleur qui était dure à trouver. Non, c'est pas une fleur. Non. C'était un tampon qui était dure à trouver, je me souviens de ça. Ça m'a perturbé. Ça t'a perturbé. Parce qu'il faut tous les tampons aussi pour finir. Bah, je sais plus, mais mais les trucs qui sont bien cachés. Non, faut. Oui, oui, mais je vais avant, parce que des fois il y a des trucs en fait où il faut être avant. Enfin, je sais plus. Pourquoi il y a des ailes, Yoshi? Pourquoi bah, parce que tu voles. Tu veux pas tomber dans le vide? Non, non, tu voles, rien. Tu voles tout le temps. C'est une blague. Pardon? Non, mais c'est une blague. C'est quoi ce jeu de noob? C'est pour moi. Tampon. Non. Non mais sérieux, tu peux voler en permanence. Ouais. Mais tu peux pas monter. C'est-à-dire que tu peux juste voler. Ah ouais, il dit vraiment tout quoi. Ouais. Ça c'est en mode easy. Easy peasy, tu vois. Et t'aimes bien. Bien. Moi j'aime bien parce qu'en fait c'est facile. Tu vois, nous on l'avait fait en mode dur. Bah au final, ouais, fallait tout trouver. Ouh, c'est beau. Encore un truc, un cadeau avec une fleur.
Mais c'est parce que c'est moi non, qui... Non, mais il est mignon comme jeu. Alors, ouais, c'est vrai que si vous avez déjà fait le Yoshi Woolly World, je sais pas. Par contre, si vous avez pas fait le Yoshi Woolly World, parce que vous avez pas de Wii U, si vous avez la 3DS, il faut le faire. C'est un bon jeu. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, c'est un portable. Nous, on a été un peu déçus quand on a vu après, en fait. Pourtant, c'est explicite, hein. C'est marqué sur Internet. Hein. Mm. C'est marqué comme quoi c'est retrouver tous les niveaux de la Wii U. Ouais. Y aller, hein. D'accord, je peux y aller par là. Non, on va pas par là. On va en bas déjà. Pourquoi? Il y a une pelote. Oui, mais t'as 2 secondes. Là, il y a un tampon. Oh. Non, parce que tu peux pas aller par là. Faut aller par un autre endroit. Peut-être. Non, mais un. On va jamais finir le jeu. Mais si. Mais ils sont longs, les niveaux. Mais comment on y va déjà? Non. Tu vas encore casser ton truc, voilà. Tu peux pas y aller. Mais si, parce que tu vas comme ça. Ah mais toi tu peux voler, c'est vrai. Mince. Tu vas comment comme ça? Voilà, il y avait juste des diamants. Non, il y avait pas juste des diamants. T'auras pas la fleur comme ça. Laisse-moi faire. Tu peux pas finir sur mon niveau. Tu veux finir le niveau? Vas-y, alors un petit peu. Ça me stresse. Ça te stresse. Tu vois, tu peux y aller comme ça. Ah, une fleur, voilà. Ah, mais tu pouvais y aller comme ça. Et la pelote, la dernière pelote est en bas. Mais non, mais pas en bas, pas comme ça! Oui, je sais. Fais pas de bêtises, hein. Ouais, mais faut avoir tous les tampons, il t'en reste 3 à avoir. Hein. Oui, madame. Non, mais tu peux plus remonter là. C'est facile, mais faut peut-être pas exagérer non plus. Vol illimité. Là, faut que t'aies les. Mais nous, ce qu'on avait pas avant, c'était tous les tampons. Alors que là, je récupère tous les tampons. Voilà. Il t'en reste un à voir. Je pense que tu l'as loupé. Non. Vas-y. Je pense que tu l'as loupé. Ah bon? Et en plus, il te manque 3 cœurs. Ah, peut-être pas. Il est peut-être là. Non, là, c'est les cœurs. Ah non, c'est un truc comme ça. Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, il est très joli. Hein. Ah oui, il est très mignon, très beau. Le portage est beau. Par rapport à dans le 3 cœurs, là. Ah bah là, il va y avoir des cœurs, il y a des cœurs à gauche. Ah non, bah c'est le dernier tampon. Oh, il est où le tampon? Ah voilà, il manque des cœurs par contre. T'en manques 3, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Pouchi. C'est vrai, au moins on a eu toutes les marguerites, toutes les pelotes et. Ah oui, attends, c'est quoi c'est? Ah non. En fait, faut tomber sur, il disait. Sur la marguerite? Oui, faut tomber sur la marguerite pour avoir le Pouchi. Mmh. Il disait la dernière fois, je sais pas si t'avais lu. Peut-être. Est-ce que tu t'embêtes pour rien? Bah non, parce que il y a des niveaux où on avait Pushy. T'en as débloqué des Pushy? J'en ai vu. T'en as débloqué? Non. Des mondes Pushy? Non. Pas encore? Ah si, des mondes Pushy, si. Ah si, c'est bon. Si. Oui, parce qu'en parallèle, en fait, moi je le fais pour débloquer. 50 écussons crayons récoltés pour obtenir. Bah oui, c'est pour faire ton Pushy, ton Yoshi. Ah, mais pourquoi on fait pas Yoshi? Allez, du coup, on se rend au pavillon des Yoshi. Pavillon des Yoshi. Alors, comment on va pouvoir faire le. On va le faire avec le logo GK. Oui. Alors, oui, ouais. Yoshi retricoté, du coup, on peut. Moi, je vais en créer un. Bah, c'est là. Voilà, Yoshi personnalisé. Ok. Ah, tu vas en créer plein. Qui est tout blanc, si je veux l'utiliser. Utiliser. Utiliser. Oh, mais il est tout blanc. Modifier. Modifier. Mode. Avancé, on va voir. Je sais pas. Oh, je pense que c'est pour les boss de la création. Je vois, c'est pixel ou pas? Donc là, c'est le nez. Alors, si je fais du vert. Ah, ouais, c'est pixel. Oh, c'est trop beau! Genre, jusqu'où ça colorie, ça colle vraiment tout le nez. Ouais. Oui. Tout le nez. Donc, on lui fait un nez vert. Ah bon? Tu peux faire un GK? Bah, pas sur le nez. Bah, mais violet alors. Ah oui. Bah oui, bah attends, meuf. Je vais commencer à dessiner. Ah oui, c'est là. Pas vraiment de pouvoir. Ah si, c'est bon. Ah! Quelle gamme de couleurs? Bah, violet. Violet rose. Ouais! Ok, donc là c'est bon. Donc il est transformé en violet. Il y avait déjà un violet, non? Oui, mais il sera un violet GK. Violet GK. Attention. Donc là, les joues. La crête, tu l'as fait en noir. Noir? Noir. Alors, la crête en. Je sais pas, j'ai que ça. Ah. Ah si, mais si, en fait, c'est ça, d'accord. Donc là, c'est du jaune, je peux faire ça. Et là, je voudrais du.
Oui, d'accord. Je vais prendre du noir comme ça, ou je vais prendre du... Bah du noir violet. Ou orange, c'est joli orange, non? Orange et violet. La couleur est propre. Par contre, moi j'ai un peu de doute hein, quand même avec ça là. Parce que j'aimerais que ça... C'est une ça. Là c'est le haut de la tête. Non mais regarde, c'est pas très propre. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ça fait un peu de dégradé, tu vois. Donc le corps, on va faire les deux. Le corps en... Bah, en violet. C'est le corps en violet clair. C'est les bras. Bah en violet foncé et tu fais le corps en violet clair. C'est trop mignon. On va le faire comme ça. Hein. Oui, ce sera plus facile. Plus facile. On va faire. Après, on peut séparer. On peut faire bras contre bras. Comme ça, on s'en fiche. Là, c'est quoi? Le truc arrière. Ah non. Oh, c'est le bidon. Bah non, clair. Un bidon, c'est toujours plus clair. Oui, oui, oui. Attends. T'as une tache. T'as une tache sur le bidon. Bah un peu là quand même, j'ai les cas. Regarde, là-bas. Ouais. Bon, si, c'est un logo GK quand même. Oui, c'est magnifique. Normalement, il est blanc sur violet. Ouais. Coloré du pied. Alors, il va être beau notre tenue HJK. Mais ouais, on va l'utiliser tout le temps. Oui, je sors du champ. Oui, c'est parce que Guillaume, il roule en fait. Je suis sur chaise roulette. Violet foncé. Oui, comme les mains. Et les pieds comme les mains. Les pieds comme les mains. Bah c'est un Yoshi violet quoi. Mais non, violet, blanc et logo GK. Ouais, il est trop beau. Bah moi j'aurais pas fait comme ça. T'aurais fait comment? J'aurais fait... symétrique. Mince. Mince. Mais t'auras fait comment? En tout cas, c'est une très bonne idée qu'ils aient fait ça. On puisse créer notre... Oh, tu vas lui faire les pieds en plus clair. Non, pas les pieds. Si les pieds, si les pieds. Bah, comme tu veux. Oh, il y a des petits petons violets clairs. On dirait qu'il a un pantalon. Ouais. Mais du coup... Ou des chaussettes. Plus que ça. Voilà. Mais peut-être plus une couleur différente. Est-ce que si je fais ça... Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Est-ce que si je fais ça, il n'y a pas un truc genre ça? Laisse-moi, tu mets le bout des bras aussi, non? Ah bon, parce qu'il y a des gants, Yoshi. C'est des chaussures. Oh oui, des chaussures. Des chaussures, ça fait un peu bizarre, hein. Non, il est trop mignon. C'est un peu bizarre, non? Non. Faut des chaussures marron? Bah non, marron, c'est bien marron. C'est mieux marron. À gauche. Tout à gauche. Non, trop marron. Trop clair. Trop pas assez clair. Trop clair. Chaussures. C'est pas mal. Comme ça. Petite chaussure. Ah, c'est joli. Ah non? Ouais. Et je vais vous dire, il est trop moche votre truc. Oh non, vous dites qu'il est mignon. Hein. Voilà. Bah voilà, notre petit Yoshi. C'est sûr que le blanc. Bah non, parce que c'est nous, blanc et violet. Non, mais regarde, je montre un truc. Si je le fais pas. Tu vois, on peut changer. Alors je mettrai un blanc, un peu moins blanc. Oh là. Blanc, beige. Non, ça fait bizarre. Non, c'est peut-être mieux. Moi j'aime bien blanc. Ou ce blanc là. Ou ce... Un blanc violet. Ah du coup il est très violet là. Too much. Ah bah là c'est pas mal. Ouais. C'est moins blanc tu vois. C'est moins blanc ouais. Voilà c'est ça que je voulais. Ouais. Très bien. Du coup voilà. Du coup voilà pour notre petit Yoshi. Commentaire. Commentaire. Yoshi. G et K. G. Et K. K. Ouais, okay. Le premier Yoshi G et K. Guigui. G et K. Non. Yoshi. Yoshi. G et K. Ah. Va. Ah, tu t'es pas trompé. T'as pas mis pourcentage. Voilà.
C'est le Yoshi GK. Ouais. Donc, on aurait pu l'utiliser dans cette vidéo, on aurait dû faire l'inverse, mais du coup, vous avez vu, il est trop mignon. Bah, on l'utilisera. Donc, dans la prochaine vidéo, si vous souhaitez la suite, voilà, de Let's Play de Yoshi. C'était la suite, donc c'était une création. Oh, regarde, il est trop mignon. Il est trop mignon. Oh, regarde, de loin, on voit quand même GK. Mais oui. On voit GK quand même, mais on voit, oui, que c'est un Yoshi GK. Du coup, ça, c'est ce qui manquait dans le Yoshi. Dans le Yoshi Woolly World 2 Wii U. Donc, on espère que ça vous a plu. Donc, vraiment, dites-nous, hein, voilà, dans les commentaires. C'est aussi un sondage. Hein. Pas, ne mettez pas des pouces rouges pour dire non. Hein. C'est une vidéo. Dites non, sondage. Nous, je préfère qu'on vous fasse un nouveau jeu. Bah, après, il faut savoir qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouveaux jeux. Voilà, c'est ça le problème. Alors, des anciens nouveaux jeux. Voilà. Donc, dites-nous dans les commentaires. Hein, ça nous ferait beaucoup plaisir que vous disiez ce que beaucoup vous plaisir. Pensiez. Beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir, du coup n'hésitez pas à mettre des commentaires. Attends, je vais tester mon Yoshi GK. On l'a déjà fait celui-là. Ouais, je sais, mais il est encore plus fort, ça se trouve. Oh, il est trop mignon. Avec les tipouché. Moi aussi, il est mignon. Ouais, il est trop mignon. Et du coup, on vous dit à bientôt. Et du coup, regarde, ça fait des roues marron, du coup. Ah ouais. Et du coup, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Game Kim. Allez, salut.